Le micro-baladeur, l'info de votre région. Aujourd'hui, un micro-baladeur un peu particulier, puisque dans quelques jours démarre le Festival de Cannes. Nous sommes avec Jean Muris, qui a déjà eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises au Festival de Cannes. Alors, Jean Muris, journaliste à ses heures perdues pour différents médias. Alors, Jean, Cannes, tu es déjà allé combien de fois? Je crois que ça fait à peu près 5 fois. Donc c'est quand même l'expérience extrême, si on peut dire, pour un journaliste ou un chroniqueur de cinéma, c'est de se trouver dans ce Lamec là-bas, c'est énorme. Est-ce que les conditions de sécurité, c'est une fourmilière? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de mettre les pieds pour la dernière fois avant sa démolition à l'ancien palais du festival. C'était quand même assez émouvant et l'année d'après, c'était le bunker qu'on appelait fatalement. Toute l'architecture cannoise était bouleversée. On passait à une autre vitesse. C'était énorme. Aujourd'hui, nous parlons du Festival de Cannes qui démarre dans quelques jours. Alors, Jean Muris a déjà eu l'occasion d'aller au Festival de Cannes à plusieurs reprises. C'était quel président? Je dis quelques présidents peut-être. Quelques films. Mais celui qui m'a, je crois, le plus marqué, j'avoue, j'avais, juste avant de partir, donc la veille au soir, j'avais vu une émission qui s'appelait Cinéma, c'était sur France 3, et là, il y avait un superbe reportage sur un film qui allait être présenté à Cannes, il s'appelait Paris-Texas. Et le reportage était tellement fabuleux, et m'a tellement donné l'envie de voir ce film, et surtout de rencontrer ceux qui avaient fait le film. Et je n'ai eu qu'une seule recherche pendant mes 15 jours de festival, c'est rencontrer l'équipe du film. Et alors, bonheur extrême, j'ai eu la joie, l'honneur de faire l'interview de Wim Wenders et d'Harry Dean Stanton, et même de Natasha Kinski pour le film, qui a eu la palme. Et ça, c'est une joie dont on ne parvient pas à se lasser de le répéter. Nous sommes avec Jean Muris, journaliste, chroniqueur cinématographique, passionné de cinéma également. Il a été attaché de presse, et il le fait très bien d'ailleurs, pour le film Arbistar, de couiller les deux églises. Je crois que c'est bien cadenassé, il y a les TV, il y a les radios, tout ça est bien séparé, je crois. Oui, c'est devenu une usine. Il faut dire que je crois que la première année où j'étais accrédité, on était quelque chose comme 1 000 000. Maintenant, ça tourne dans les 3 000-4 000. Donc ça veut dire que tout le monde veut la même interview, tout le monde veut avoir le même passe-droit. C'est pas possible. Les artistes sont accessibles ou pas? Non, c'est fini. C'est quasi plus envisageable, à moins déjà d'avoir retenu l'interview 2 mois avant à partir de son propre pays et d'avoir, encore une fois, un contact privilégié avec telle société de distribution. Tu nous disais que tu avais connu notamment le film Paris-Texas, ça date des années 80-90. Est-ce qu'en quelques années, ça a évolué encore? Tout à fait. Il faut dire que le nombre de médias invités a quintuplé. Et le fait aussi, c'est que, bon, c'est un bien, puisque tout le monde en parle, mais ça va des radios libres à tous les réseaux sociaux qui vont maintenant demander aussi une accréditation. Donc maintenant, à la limite, tout le monde pourrait demander à être accrédité pour se retrouver au festival. Les places, elles sont limitées. Nous sommes avec Jean Muris, journaliste, chroniqueur, attaché de presse sur le film Arbistar, de couilles les deux églises, un passionné de cinéma. Il a déjà été à plusieurs reprises au Festival de Cannes et on en parle. Et aussi, il a aussi assisté aux Oscars, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le Festival de Cannes, est-ce que c'est pas beaucoup de barnum, beaucoup de bruit pour rien, parce que finalement, qui se souvient des Palmes d'Or de Cannes? Oui, c'est un fait. Ça, c'est un problème qu'il faudrait peut-être voir avec les distributeurs. C'est vrai que quand on entend les distributeurs qui se trouvent à Cannes, on se demande s'ils viennent là pour la fête ou s'ils viennent là quand même pour voir un petit peu les films qui sont présentés. Bon, là, maintenant, c'est eux qui pourront y répondre. C'est vrai qu'aussi, il y a quand même possibilité de faire du commerce et de faire des achats intéressants. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est le marché qui est autour. Oui. En fait, le marché, il se trouve en dessous, dans les caves. Il faut aller au marché du film, il faut voir aussi dans les hôtels, et pas nécessairement dans les hôtels, parce que les hôtels aussi, bon, ils ont leur nombre limité de chambres, mais ça va dans un coin, sur une petite terrasse ou quoi que ce soit, où des affaires peuvent se faire, et c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant d'acheter un film 2 ans avant qu'il ne soit à la limite tourné. Oui, par exemple, on peut très bien imaginer qu'un accord de distribution de Arbistar soit signé avec la Corée du Sud ou la Thaïlande. Tout à fait, mais nous espérons bien le pouvoir le faire éventuellement l'année prochaine. Cette année, étant donné qu'on se concentre sur la région, mais on n'a pas dit notre dernier mot à cet égard. Oui, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller au marché du film avec un film qu'on a peut-être réalisé 1 an ou 2 ans auparavant. Rien n'est interdit.
Tout à fait. Bon, si ce n'est encore une fois pour passer dans les sélections parallèles, même quinzaine, et la sélection officielle, là, à ce moment-là, il faut que ce soit une primeur pour le festival. Mais à côté de ça, il y a le marché et chacun vient là. Et comme vous dites, on peut très bien rencontrer un Coréen qui n'a entendu par le plus pur hasard, peut-être en entendant Ramdam sur Internet, et qui s'est dit, mais c'est quoi ce film improbable? Je veux le voir. Et donc, à ce moment-là, on peut lui organiser une vision et il l'achète et ça fait un tabalaba. Nous étions avec Jean Meurice, passionné de cinéma, chroniqueur. On parle notamment du Festival de Cannes. Il a déjà eu l'occasion d'y aller. Alors, tu y seras cette année, Jean ? Non. Je suis avec Marby et on défend Marby encore pour quelques semaines et c'est pas terminé. Oui. Alors c'est vrai que le Festival de Cannes, c'est des images. Par exemple, on conserve l'image d'un Benigni qui avait remporté un prix pour son film et qui faisait son cinéma. C'est ce dont on se souvient, mais on ne se souvient plus que c'était un Grec qui avait remporté la Palme d'Or. C'est clair, mais comme vous dites, hein, certains films marquent, et La vie d'Adèle, est-ce que c'est le scandale qui finalement a fait le succès du film ou est-ce que c'est sa palme, ça ? C'est vrai aussi que parfois le Festival de Cannes, c'est pas tellement populaire, on rit pas à Cannes. Ça dépend à quelle heure. Oui, mais je veux dire, au niveau des films, c'est quand même pointu, quoi. Ouais. Oui, mais de nouveau, encore une fois, il y a énormément de films. Il faut bien se rendre compte que quand on ouvre sa programmation le matin, on peut avoir 10 films à la même heure. Donc, il y a moyen de faire son marché. Eh bien, ça va, Jean, merci. Et puis, rendez-vous au Festival de Cannes. On aura l'occasion d'en parler, évidemment.